Nous allons préparer un authentique pisto manchego. Pour cela, il nous faut des piments verts, des oignons, des tomates, de l'huile d'olive vierge extra, du sucre, du sel, du laurier et de l'ail. Nous allons introduire les données dans la machine. Première étape, chaleur à 100 degrés. Tendremos una temperatura de 100 grados. Agitation inverse, droite-gauche, 50 de vitesse. Étape suivante, chaleur, à 100 degrés aussi. Agitation inverse, droite-gauche, 50 de vitesse. Étape suivante, chaleur, à 100 degrés encore. Agitation de 30. Marche discontinue. Étape suivante. Quarto. También calor. Chaleur à 95 degrés. 95 grados. Durante 5 minutos. Durant 5 minutes. Velocidad de 30. Vitesse de 30. Marcha continua. En marche en continu. Dernière étape de chaleur. Température de 100 degrés. Marche discontinue. Discontinua. Avec une vitesse de 30. Et durant cette étape, nous aurons 1h30 de chauffage pour réduire totalement le piston. 1h30 de cocción para poder reducir totalmente el piston. Nous allons programmer le potentiel de chaleur. De calor que tendríamos a 7 et un agitateur discontinu de 60 en marche et de 30 à l'arrêt. Une agitation inverse à droite de 60 et à gauche de 30. Une fois les 5 étapes de chaleur programmées, nous passerons au cycle de froid. Al ciclo de frío, que constará de 2 pasos. Vamos a él. Nous irons ensuite programmer les 2 phases de froid du piston. Las 2 fases de frío de piston. Nous avons froid à 50 degrés que nous descendrons, que bajaremos, une vitesse de 30, marche en continu, ensuite étape suivante, froid, température finale de 10 degrés. Marche en discontinu à 20. Y en discontinuo. Aquí lo tenemos. Vamos a programar. Maintenant, programmons le potentiel de froid et les agitations. Aquí tendríamos potentiel de froid de 4. Tal como teníamos de 4. Agitation discontinue à 60 en marche. De 60, tal como vemos. Et un arrêt à 100. Avec ces 7 étapes au total, nous avons déjà complété le processus de préparation pour le pisto manchego. Nous allons introduire maintenant les ingrédients. Tout d'abord, l'huile d'olive. Les oignons. Thank you.
Nous obtenons des oignons bien dorés. Nous incorporons le piment qui va se faire petit à petit. Que vaya pochando, vaya haciendo, poco a poco. Nous pouvons introduire maintenant le laurier. Introducimos laurel y orégano. Nous obtenons un piment cuisiné avec les oignons d'avant et nous incorporons les tomates.